Je vais nous présenter. Moi, je m'appelle Corrie et voici mon ami Saint-Jeunet. Bonjour les enfants! Je suis Saint-Jeunet et je suis enchantée de vous rencontrer. Eh bien, moi aussi, je suis enchantée de vous rencontrer. Et vous savez les enfants, en fait, Saint-Jeunet, il était très très excité de vous rencontrer aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'étais très excité. Qu'est-ce que tu as dit, Saint-Jeunet? J'ai dit, je suis très excité. Pourquoi tu ris? Je ris parce que tu as dit excité. Ben quoi? Eh ben, c'est pas excité qu'on dit, c'est excité. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ah non, non, tu n'as pas dit ça. Hein, les enfants, il n'a pas dit ça. Alors, on va essayer de le dire correctement. Allez, répète après moi. Et-si-ski-té. Non, Saint-Jeunet. Et-ski. Ah, bah, tu vois, je me trompe à cause de toi. Oh là là, c'est excité. Esquité. Franchement, Saint-Jeunet, tu me fais trop rire. Non, mais tu sais même pas dire excité. Oh là là, c'est pas possible. Ouh, Saint-Jeunet. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu fais la tête? Saint-Jeunet? Je crois que les enfants, Saint-Jeunet, ils boudent. Bon, qu'est-ce que t'as, Saint-Jeunet? Je suis triste. Bah, pourquoi? Parce que j'arrive pas à dire le même mot que toi. Oh. Je suis vexée. Tu veux dire vexée? Non, oh pardon, excuse-moi. Excuse-moi, Saint-Jeunet. Oh, pardon. Non, alors, Saint-Jeunet, je voulais te demander pardon parce que je crois que je t'ai attristée. Tu es triste. Oui. Bon. Je te demande pardon, Saint-Jeunet. Les enfants, est-ce que vous croyez que j'ai bien fait de me moquer de Saint-Jeunet? Parce qu'il n'arrivait pas à dire le mot excité. Oh, vous avez raison. Je n'ai pas bien réagi du tout. Dites les enfants, est-ce que l'on s'est déjà moqué de vous? Oui? Et est-ce que c'était agréable? Eh bien, vous avez raison, ce n'est pas agréable du tout. C'est pour ça, quand j'ai vu que ça rendait Saint-Jeunet tout triste, je lui ai demandé pardon. Alors, est-ce que tu me pardonnes, Saint-Jeunet? Oui, oh, parce que tu es mon ami. Oh, je t'aime, mon petit Saint-Jeunet. Je te remercie de me pardonner. T'es mignon. Alors, les enfants, c'est très important. Quand tu as rendu triste soit ton frère, ta sœur, ton papa, ta maman ou bien même ton copain ou ta copine, il est très important de lui demander pardon et de ne jamais recommencer. C'est d'accord, les enfants? Mais tu sais, mon Saint-Jeunet, comme je te dis, je t'aime, hein, tu sais. Hein? Et puis, je te ferai plus de la peine, je n'aime pas ça. Moi aussi, Corinne, je n'aime pas te faire de la peine. Oh! Et vous, les enfants, est-ce que vous aimez Saint-Jeunet? Oh, tu as vu? Oh, tous les enfants t'aiment, Saint-Jeunet. Eh bien, moi aussi, je vous aime, les enfants. Ben, moi aussi, je vous aime, les enfants. Mais savez-vous qui vous aime aussi? C'est Jésus. Jésus aime tous les enfants. Et vous savez comment je le sais? Parce que c'est la Bible qui le dit. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est ce livre où il y a écrit les paroles de Jésus et toute son histoire. Alors, dans Matthieu, chapitre 19, verset 14, il est écrit « Mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi,
car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Voilà, écoutez les enfants, il y a même une chanson qui en parle. Jésus aime les petits, c'est la Bible qui le dit. Tous les enfants sont à lui, et je sais qu'il m'aime aussi. Oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, oui, Jésus m'aime, la Bible me le dit. Allez les enfants, c'est l'heure de nous quitter. On espère que vous avez aimé cette histoire et nous vous disons à tout bientôt pour de nouvelles aventures avec Corinne et Saint-Junet. Au revoir! Adios! On vous dit au revoir, ne perdez pas espoir, nous allons revenir avec de jolies histoires. On vous dit au revoir, il n'est jamais trop tard.